fou à creuser dans les nuits. J'ai toujours ces rêves d'infini. Je regarde le ciel, les mains tendues vers toi. Mon Dieu, ciel t'appelle, parle-lui de moi. Je regarde le ciel, les mains tendues vers toi. Oh mon Dieu, si elle t'appelle, parle-lui de moi. L'infini, tu sais, c'est presque rien. Ça se finit au petit matin. Mais l'infini, tu sais, c'est déjà bien. C'est toute la nuit et puis plus rien. Je regarde le je regarde le ciel, les mains tendues vers toi. Mon Dieu, ciel t'appelle, parle-lui de moi. Christophe et Benoît, merci. Venez nous rejoindre. Donc on vient d'entendre Parle-lui de moi, qui est extrait de ton dernier album, qui s'appelle Aimer ce que nous sommes. Merci. Alors, tu es très rare à la télé, donc on voulait te remercier de tout, tout cœur d'être avec nous ce soir pour fêter ce Noël. On est très heureux et je voulais avoir tes sentiments par rapport au fait de chanter avec des enfants. Ça fait comment? Ben, c'est plutôt quand je choisis de faire une télé, c'est effectivement un gros effort. Et là, j'ai pas hésité quand vous me l'avez demandé parce que c'est un moment joyeux, un moment. Et c'est vrai que quand je les ai vus pour la première fois tout à l'heure en arrivant, ça m'a rappelé. Ça doit faire l'effet un petit peu à beaucoup de gens. Quand je voyais ces petits-enfants à la croix de bois, j'avais envie d'être le soliste. J'étais un peu jaloux. Et puis voilà, et puis j'ai grandi. Et puis je suis devenu chanteur. Et ce soir, c'était un beau rêve d'avoir derrière moi cette nappe de cœur comme ça, comme les étoiles dans le ciel. Comme plein de cadeaux. Comme plein de cadeaux. Oui, c'était très joli. D'ailleurs, Romain me disait en vous écoutant qu'il aurait bien aimé aussi chanter, que ça lui faisait, comment tu disais, des petites choses dans le cœur. Oui, ça me faisait quand même un bon sentiment. Et quand on voyait en plus le son qui était assez fort et qui revenait, qui vibrait, c'était quand même un bon moment. Déjà, pour vous dire que j'étais très contente d'avoir chanté avec vous. Et moi, et j'aimerais bien... Tu m'as bien aidé, tu sais, parce que moi, je suis à la télé, je suis toujours... Tu sais, toujours le début, j'ai toujours le trac. Et est-ce que vous avez déjà écrit des chansons pour d'autres personnes? Pas beaucoup. J'en ai écrit quelques-unes, comme ça. C'est très difficile de faire un album, tu sais, et de faire des jolies chansons. Alors, quand on en fait une jolie, on se la garde pour soi, tu comprends? Eh bien, moi, j'aimerais être public professionnel. Je trouve que c'est un métier d'avenir. Et je viendrai vous voir les 11, 12 et 13 mars prochains à l'Olympia. En tout cas, merci Christophe. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette soirée de Noël. Joyeux Noël à vous.
Alors nous voilà parvenus au terme de ce Noël des petits chanteurs. Alors...